Salut et bienvenue en Hauteland, le reportage des endroits qui bougent avec plein de gens dedans. Aujourd'hui, un reportage en rouge et blanc face au rétro sur les 5 jours de fête de Comensac. Au programme, une remise des clés par Madame le maire, une journée communale, une soirée espagnole, un samedi soir dans les règles de l'art, un spectacle animé par le sosie de Patrick Sébastien et deux petits matins dont on se souvient très bien. Tout ça, c'est à Comensac et c'est tout de suite. Ben, les fêtes se déroulent déjà sur 5 jours. Elles ont commencé hier. Ça s'est très bien passé. Il y a une ouverture des fêtes comme tous les ans, avec le don des clés de la fête au président du comité des fêtes. Parce qu'une fête, c'est effectivement la municipalité. Mais s'il n'y avait pas un comité des fêtes, nous n'aurions pas de fêtes aussi réussies. Les fêtes de Comensac, c'est l'un des plus grands événements en termes d'animation sur la commune. Chaque année, ce rendez-vous a lieu le week-end de l'Ascension. Les Comensacais et les habitants des communes avoisinantes sont invités pour se retrouver dans la plus grande convivialité. Alors, les fêtes de Comensac se déroulent, elles commencent à se préparer après l'Assemblée Générale du mois de septembre, où on commence à choisir le thème principal du dimanche. En général, à partir de décembre, le thème est choisi, le plateau est choisi aussi, donc l'artiste est choisi. Cette année, c'était entre autres, on a eu une hésitation entre Johnny Hallyday et Patrick Sébastien, donc on est parti sur Patrick Sébastien, en sachant que depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, on part sur des sosies de vedettes. Donc on a eu fait Claude François, on a eu Philippe Piaf, donc cette année, ça sera le sosie de Patrick Sébastien. Dès l'Assemblée Générale de septembre, le comité des fêtes commence à préparer l'année suivante. Il compte environ une trentaine de bénévoles et est réparti en 3 commissions. La commission intendance pour les repas, la commission spectacle pour choisir le groupe et la commission loto qui œuvre toute l'année pour organiser différentes activités et manifestations dans le but de recueillir des fonds. Depuis quelques années, c'est le même groupe qui est vraiment habitué à son poste et une confiance complète des bénévoles dynamiques et qui marchent bien. On arrive à faire presque 1000 repas sur les 5 jours. Donc c'est une affaire qui roule. Une partie retraitée, une partie active, comme on peut partout. Les retraités font un boulot énorme de préparation en dessous qui ne se voit, disons, qui se voit quand tout est fini. Et sinon, après, les autres œuvrent, tout le monde œuvre sur les fêtes, sur 5 jours, non-stop, avec 2 ou 3 heures par nuit de sommeil. Mais c'est une bonne ambiance où on est là pour réjouir nos convives et on essaye de faire, on fait le maximum pour eux. Le comité des fêtes prépare un programme complet pour ce grand week-end festif. On commence le mercredi avec la traditionnelle remise des clés. Un moment de partage, un moment de joie, un moment de bonheur, un moment où il y a du lien social. Le lien social qui est tellement bafoué à l'heure actuelle, c'est un moment républicain, un moment laïque, un moment du mieux vivre ensemble. Même si la fontaine Sainte-Quitterie ici est là pour soigner les maux de tête, je demande quand même de ne pas appuyer trop sur le verre, parce que le lendemain, effectivement, on a mal à la tête. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une procession permanente à la fontaine. Des moments que je vous souhaite à tous très festifs, très gais, d'en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Donc je vais déclarer les fêtes 2015 de la Sainte-Quitterie à Comensac ouvertes. Voici la clé.
Après une nuit difficile, rien de tel que de commencer la journée du jeudi avec une randonnée pédestre ou un bon casse-croûte à la maison de la chasse. Le midi, repas du marcheur, jeu pour les enfants et bal en fin de soirée. Comme tous les ânes de venir aussi nombreux pour cette marche. On est dans les deux clubs de Biscarros, c'est-à-dire Biscarando et les Randonneurs des Sables. Et dans le programme qu'on fait tous les mois qu'on passe à tous les adhérents, on inclut la marche comme un sac pour le jeudi, et puis les gens des deux clubs de Biscarros viennent. Et tout le bon, cette année, il a encore changé de circuit. C'est très intéressant pour les gens qui ne connaissent pas du tout la région. Non, mais c'est sympa. Puis bon, les gens viennent, bon, ben, il y a le repas, ils font un repas sympa à 10 euros. Bon, c'est pour ça que même les gens de très loin, quand ils vont, enfin de très loin, bon, il y a 40 morts depuis Biscarros, ils ont dit, oh, ben, c'est bien, on peut rester sur place, on mange pour 10 euros, c'est sympa, quoi. Le casse-croûte à la maison de la chasse, un moment convivial avant le bal-trappe. Plusieurs jeux occupent les enfants durant toute l'après-midi. Les jeux, c'était bien. Il y a un parcours pour marcher dessus. Il y a aussi un château de Nemo et des quilles et aussi des voitures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On a bien marché et bien profité ici. C'est tout. Après la journée communale du jeudi bien remplie, la soirée espagnole avec tapas et spectacle flamenco du vendredi soir bat son plein. Après 3 jours de fête, la journée du samedi commence à partir de 14h avec le concours de pétanque, le repas du soir à la bodega, le feu d'artifice et le bal disco animé par un DJ endiablé. Le concours de pétanque ouvert à toutes les générations. Et en général, c'est là où on s'amuse le plus. Alors sincèrement, j'étais chez moi hier soir à 22h, je reçois un message, c'est les fêtes à combien sac. J'étais pas au courant. Je me suis dit, bon, les fêtes à combien sac, il y a le tournoi de pétanque. On va le faire. J'ai gagné difficilement. On était venus surtout pour s'amuser, passer du bon temps. Exactement. Voilà. Après, il y a eu la victoire au bout, tant mieux. Après-midi, 56 équipes à pétanque. 56 équipes à pétanque, c'est pas mal. C'est le record depuis les 5 dernières années. Donc tout va bien. D'ailleurs, tiens, Eddy. Durant ces 5 jours, la fête foraine ravit petits et grands. Pour le dernier jour des fêtes, le dimanche matin, une messe en l'église suivie d'une procession à la fontaine Sainte-Quitterie réunit de nombreuses personnes du territoire.
Les fêtes locales sont toujours une manifestation très importante pour les gens du village. Ça permet de se retrouver. Le comité des fêtes concocte toujours un programme très alléchant qui peut satisfaire à toute personne de 0 à 99 ans, voire plus. Et cette année, après de nombreuses années de fermeture pour cause de travaux, l'église Saint-Martin a permis de célébrer, la réouverture de l'église Saint-Martin a permis de célébrer l'office religieux. Une cinquantaine de personnes ont y assisté. Et ce qui s'est fait cette année, c'est que une tradition très ancienne, c'est après la cérémonie religieuse en l'église, c'est d'aller faire une procession à la fontaine Sainte-Quitterie, qui se trouve à l'est de l'église, et sur une propriété privée. On a une petite passerelle qui permet d'y accéder en de très bonnes conditions. Et en même temps, on profite d'un paysage magnifique, notamment le petit lac qui est bien fleuri en cette saison. Jésus a dit dans l'évangile qu'il a envoyé les apôtres, mais il nous envoie tous les chrétiens aussi, pour faire quelque chose dans le monde. On n'est pas là simplement pour regarder, pour profiter. On est là pour faire quelque chose. Alors, il y a des gens comme ça qui ont fait quelque chose, qui le font chaque année. Ils organisent les fêtes, c'est pas toujours facile. Les critiques elles viennent souvent, mais ceux qui critiquent, qui pourraient venir les aider, ça serait sûrement plus profitable. Alors, bonne fête à tout le monde. Pour clôturer ces 5 jours de fête, un spectacle de David Bastien, sosie officiel de Patrick Sébastien. Bien sûr que oui, je suis très 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 heureux d'être à Comensac. Hein. Ouais, le public est super sympa, le personnel, le comité des fêtes, tout est sympa, même vous, très sympa. Dimanche soir, dernier soir des fêtes de Comensac, c'est l'heure aussi du premier bilan. Autour de 800 repas en 5 jours, servis et cuisinés par que des bénévoles qui ont l'amour de faire plaisir à tous leurs convives et à tous leurs copains, leurs amis qui sont venus et qui ont voulu participer à nos fêtes. Moi, le bilan, je pense que ces fêtes 2015 sont un bon cru. Il y a eu du monde et je pense que c'est une excellente année. Moi, je suis maire actuellement, j'ai été présidente pendant des années du comité des fêtes et arrivée en samedi après-midi avec 56 équipes à la pétanque, je n'avais jamais vu ça.
Et on se dit à l'année prochaine avec toujours mieux, mais c'est dès maintenant qu'il faut y réfléchir. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et d'où va